Nous sommes lundi matin et vous le savez, le lundi matin, on a un rendez-vous qui vous plaît de plus en plus, celui qui tente de vous motiver un petit peu. On vous parle d'un moment d'inspiration avec David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. Ça va bien, hein ? Extrêmement bien. Extrêmement bien en ce début de semaine. Quelle est la thématique justement que tu vas vouloir aborder aujourd'hui dans ta chronique ? Aujourd'hui, je souhaite vous parler du pouvoir des rencontres. Dans la vie, construire de vraies relations permet l'épanouissement. L'homme avec un grand H a besoin d'échanges. L'homme est un être sociable et en plus, certaines personnes peuvent changer votre vie un peu, beaucoup ou même à la folie. Alors, qu'est-ce qu'une bonne relation selon toi ? Alors le plus important est que votre démarche soit sincère et bienveillante lorsque vous abordez quelqu'un. Un exemple concret avec Martin Pelletier, un conférencier habitant au Canada, nous partageant de vivre nos bonheurs au quotidien. Après avoir découvert ses partages sur le bonheur qui m'ont fortement inspiré, je suis rentré en contact avec lui. Nos échanges via internet ont permis une belle rencontre lorsqu'il est venu en Belgique et ces moments ont fortement impacté ma vie. J'ai indiqué plusieurs fois à Martin que je suis prêt à l'aider s'il désire réaliser un événement en Belgique et je suis convaincu que si un jour j'ai besoin d'informations ou d'aide pour concrétiser un événement au Canada, eh bien Martin sera prêt à m'aider également. Certains me diront que c'est de l'opportunisme, je ne trouve pas. À partir du moment où la relation est sincère et bienveillante. Dans ce cas-ci, j'ai proposé de l'aide sans attendre en retour. Je propose et la personne peut, si elle le souhaite, en profiter. Peut-être que cette personne m'aidera à son tour, peut-être pas. Quoi qu'il arrive, sachez que l'univers me le rend à chaque fois. C'est intéressant ça. Ça voudrait dire donc qu'il faut créer des opportunités de rencontre. Oui, il est possible chaque jour de croiser des dizaines de personnes. Des dizaines de personnes qui peuvent peut-être changer quelque chose dans votre vie. Il suffit de se donner la peine de faire connaissance et d'initier l'échange. À partir du moment où votre démarche est sincère, vous vivrez de belles expériences. Alors justement, aurais-tu quelques exemples à partager avec nous, ce que tu as pu vivre ces derniers temps ? Oh oui, de nombreuses personnes ont impacté ma vie, encore une fois. Ma famille et mes amis, que je ne citerai pas pour respecter leur vie privée, mais que je remercie de tout cœur, mes deux maîtres de stage extraordinaires, Christophe et Tanguy, qui m'ont aidé à trouver ma voie professionnelle, mes stagiaires qui me rappellent chaque jour que montrer l'exemple est la chose la plus importante, mes clients et partenaires qui me permettent de m'épanouir dans ma vie. D'ailleurs, je souhaite te remercier d'avoir pu laisser cette chronique prendre vie sur les ondes de Buzz Radio. C'est ça aussi le pouvoir des rencontres. Mais de rien, David. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir maintenant tous les lundis avec moi et avec les auditeurs et auditrices de Buzz Radio pour ce moment d'inspiration. Et peut-être qu'un jour, je pourrais venir à ta rencontre et te demander des services aussi, hein ? Évidemment. Sans être opportuniste, évidemment. Évidemment. Et pour finir, voici une anecdote que j'avais lue dans un livre. Malheureusement, je ne me rappelle plus de son titre, mais je souhaite absolument vous la partager car elle reflète bien le thème du jour. Alors, je vous propose d'imaginer que vous êtes en 1980, sans smartphone, sans internet accessible depuis partout. Votre maison prend feu et vous vous retrouvez à la rue. Un pompier vous demande alors : qui souhaitez-vous appeler ? Qui pourrait vous héberger pour la nuit ? Vous devez prévenir votre entourage, mais vous ne connaissez pas leurs coordonnées de mémoire. Vous vous retrouvez seul, sans ressources pour vous soutenir. Évidemment, les voisins pourraient vous aider, mais qu'adviendrait-il si vous entretenez une mauvaise relation avec votre voisinage ? La morale de cette anecdote est, le jour où votre maison prend feu, sauvez votre carnet d'adresses, car avec un réseau, vous pouvez avoir de l'aide pour reconstruire plus vite. Et vous, chers auditeurs, quelles sont les personnes qui ont changé votre vie ? Bonne question à se poser aujourd'hui. Quelles personnes ont changé notre vie ? Merci David pour cette petite chronique avec le pouvoir des rencontres dans ce moment d'inspiration ce lundi matin. On te souhaite une bonne journée finalement. Merci et à vous aussi, une excellente journée. C'est la musique évidemment qui revient dans le Morning Buzz en ce lundi matin.